Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Paris Marseille Racing sur PlayStation. Un jeu vivement recommandé, comme vous vous en doutez. Alors, on va voir ce jeu ce que ça donne. Alors, on a un petit. On a quoi? On a un garage, on a un mode départ, on a les options, on a joueur. Donc, j'imagine que joueur, c'est. Ouais, c'est pour changer le nom. On va voir les options. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a en long, on a les effets de son. Alors. On va laisser à 50, hein. Je pense que c'est très bien comme ça. La musique. Plutôt sympa. On a le niveau de difficulté, donc difficulté, on a facile ou difficile. On va laisser en facile, parce que c'est la première fois que je démarre le jeu, donc on va voir ce que ça donne. Vibration éteint en marche, bien sûr en marche. Et nous surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Ceci est un message subliminal, non je rigole. Allez, c'est parti, écran, on va voir. Ah, ça marche vraiment pour une fois? Ouais, parce qu'il faut savoir qu'en général, quand je règle les écrans dans les jeux, ça ne marche pas. Bah là, finalement, ça marche. On va faire OK. Contrôle la carte mémoire, on va pas garder, parce qu'on s'en fout. Et on va voir dans le garage ce que l'on a. Alors, concessionnaire, tiens. On peut donc acheter des véhicules. Et on a quoi comme véhicule? Ouh, il y a pas mal de véhicules, attendez. On a une Mini Cooper, si je me trompe pas. Et on peut acheter donc voilà une Volkswagen Beetle pour 19 000 francs. Et oui messieurs, c'est un jeu français. Alors regardez ce qui est marqué en haut. Il est marqué menu course avec menu MENUE. Hein. Donc bon, pourquoi pas. Ce jeu est assez, elle est assez menu apparemment, mais bon. Allez, on a BMW à 30 000 francs. Ce qui d'ailleurs est totalement improbable. Un peu avec donc les caractéristiques qui sont un petit peu plus élevées, hein, vous pouvez le voir. On a l'Alpin. Eh oui, l'Alpin, vous connaissez l'Alpin? À 34 000 francs, on a la Jaguar. Ah, mais c'est fait exprès en fait. C'est juste qu'il n'y a pas les licences. Enfin, je vois que ça. Ouais, la Beetle, bah oui, les Beat, là, quoi. C'est. Oui. La BM, ok. Donc, la Jaquet. Bon, on est presque au niveau d'une tartine, mais bon, c'est pas le même autographe. On a ensuite la SD. Wesh, la SD! Bien ou bien. Après, à 14 000 francs. Là, par contre, on revient en arrière parce qu'elles sont un peu moins rapides. Et on a la Beetle. Ok. On va pas forcément acheter une voiture, c'est quoi? Ah, bah oui, en fait, on peut. Alors, c'est un peu débile, on a un bouton pour aller à gauche ou à droite. Mais on peut le faire directement avec les flèches, donc je vois pas trop l'intérêt. Nous, on a une Mini dès le départ. Qui vaut 9 166 et un budget de 2 000. Donc, si on la vend, on va avoir 11 166. Donc, c'est pas suffisant pour acheter une autre voiture. Donc, on va garder celle qu'on a. Je suis désolé. Donc on va faire OK. Alors par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on peut augmenter la vitesse maximale. Vous voyez, on peut choisir des éléments en bas. Donc on a l'échappement, j'ai l'impression. On a les disques de frein. On a les roues. On a le moteur. On a la transmission. Et puis c'est tout. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est augmenter les caractéristiques pour avoir un meilleur moteur et une meilleure accélération. Là, je pense que le mieux à faire avec 2000. On va faire ça, regardez. On va faire ça. Et en plus, on va rajouter avec nos 550 les freins. Ce qui fait qu'on a une voiture qui est un peu plus homogène déjà. Et là, on peut plus rien acheter. Ok. Alors, le bruit là, de tuc, c'est le bruit de Verali, hein. Verali 1. Allez, on va faire donc départ. Et c'est parti. Alors, je peux même pas choisir, j'ai l'impression. J'ai pas fait gaffe, parce qu'on pouvait aller à droite, à gauche. Donc là on est directement à Paris, donc on a les différents monuments. Et ouf, que ça pique. Ah ouais. Ouh là là, je m'attendais pas à ça. Ok, donc ça c'était la tour Eiffel. Ok. Donc la tour Eiffel a disparu, c'est pas grave. Donc c'est parti. Alors c'est sympa parce qu'on a des. J'ai l'impression donc on a des concurrents contre nous. On est 4 en piste, si on se réfère à la position 2 sur 4. Ouh, ça commence super bien, c'est magique. Et on a des. Comment dire? Attendez, il y a des flics. Alors, est-ce qu'on a une vue arrière? Ouais. Oh, on a la gendarmerie nationale. Oh, monsieur, rendez-vous sur le côté. Oh, purée. Et c'est une 306, apparemment. Ouais, je me dirais une 306. Donc, on a.
Oui, j'allais dire, on a aussi d'autres. Hormis nos concurrents, on a aussi des voitures d'usagers classiques sur la route qui vont nous empêcher de. Évidemment, je les prends tous. Oh, regardez-moi cette collision! On dirait une sorte de Volkswagen, c'est un peu bizarre. Des voitures, j'arrive pas à reconnaître. Je pense qu'ils avaient pas les licences, donc ils les ont pas faites complètement. Mais Ah, c'est fini! C'est tout, c'était ça! Ok. Alors, attendez, fou, il y a plein de choses que j'ai pas compris là. Je vois qu'il y a une barre de turbo. Donc, peut-être qu'on peut utiliser le turbo pendant la partie. On a une barre de dégâts. On va aller au garage là pour voir un truc. On peut déjà améliorer les trucs. Bon, on va pas s'emmerder, hein, faire ok. Et vous voyez, dégâts 45%. Et on peut la réparer pour 4000. Budget 500, prix 500, ouais. Bon, j'ai pas compris ce que les dégâts. Oh, je comprends rien. Et alors là, il y avait par exemple un bouton, si j'ai bien compris, pour réparer. Et le coût, c'était 4950. Quand j'ai appuyé dessus, on m'a quand même proposé de l'acheter pour 500. Et ça a marché. Bon, bah, j'ai pas compris. C'est pas grave, on va la retenter. Ah, ça aussi, c'est un autre tracé, c'est Paris-Lyon. Donc on a la visite, le périphérique, le péage, Auxerre, péage et Lyon. C'est parti. Alors on peut changer de vue avec R1. Oh, on a une vue un peu plus profonde, voilà, ça je pense que la meilleure vue c'est ça. La voiture glisse pas mal hein, quand on tourne. Donc, je peux aussi changer la vue avec R2. Ok, pourquoi pas. Oh là 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 ce... Cette gestion des collisions, mais de l'espace quoi, c'est... Ok, c'est mal parti déjà ce jeu, je sens. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a le bouton frein. Ah, donc avec le rond, on peut utiliser le turbo pour aller plus vite, ok. On a un klaxon. Ah, donc triangle, c'est pour le frein à main. On va utiliser un peu de turbo, histoire d'accélérer un peu. Bon, d'accord, on a dépassé la BM, ok. Alors attendez, là on est à 72 km/h, ce qui est une vitesse totalement énorme. Oh mon dieu. Oh, la musique d'air aussi. Cette austérité. Ah bah il fallait bien qu'il me dépasse au bout d'un moment. Hein. Avec la vitesse que j'ai. Et encore je le redépasse derrière. Alors donc oui, donc on a une jauge de dégâts qu'on peut voir là au milieu, on a une jauge de turbo. Faut que je sorte de l'autoroute, j'ai même pas remarqué. Oh là là, attention. Oh la DS qui m'a pris sur l'intérieur. On va prendre le turbo pour repartir plus vite. Donc on a le tracé en bas à gauche, vous l'aurez remarqué je pense sans mon intervention. Ce qui fait que là on voit qu'on a à peu près fait déjà la moitié. Alors par contre la Mini est incontrôlable. Alors je rêve où il est allé carrément à la station service lui. Ouais, il est passé par la station service. Alors je ne sais pas s'il y a des bonus, si le fait d'aller à tel endroit nous permet de, je sais pas, de réparer la voiture ou autre. J'en ai strictement aucune idée. Quoi qu'il en soit, alors on est sur l'autoroute, on va je crois à Lyon, si j'ai bien compris. Bon, le jeu est fluide. C'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, vu comme c'est vraiment vraiment moche. On va essayer de passer par là. Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que la gestion des collisions est désastreuse. On l'a vu tout à l'heure, hein, j'ai à peine effleuré, mais j'ai même pas touché, hein, j'étais à quoi l'équivalent de 30 ou 40 cm de la voiture. Ah bah, ça a détecté un choc, donc la hitbox est vraiment nulle. Et on a gagné la course. Ok. Ça c'est bien, on gagne 7500 crédits. Alors non, on va pas enregistrer. Ah, on a le total, Paris-Lyon... Paris-Lyon, après on aura Lyon-Marseille, Marseille-Côte d'Azur. Ok, je commence à comprendre un peu plus. On va aller au garage pour réparer. Bah, du coup on a plus d'argent, hein, c'est logique. On va faire ok. On va faire non.
Et on va voir donc bah, les résultats, on les a, on va faire départ. Et là, ça va être Lyon-Marseille. Alors c'est bien, il nous présente quelques monuments à voir, donc le pont du Gard par exemple. Et c'est le départ, donc avec toujours notre Mini. Donc évidemment, on va essayer de pas les toucher. L'IA, on va essayer de l'éviter au maximum parce que bah, avec cette collision pourrie, on sera toujours perdant. Oh, on change de décor. Ce qui est bien, c'est que le décor est totalement différent. On va pas leur enlever ça. Par contre, déjà, j'ai l'impression qu'on peut pas choisir le tracé qu'on veut faire. En fait, on commence avec le premier tracé, le deuxième, troisième, quatrième, mais on n'a pas de choix. Ah, il y a des flics. Il y a des flics. Il y a des flics. Est-ce qu'ils seront forcément pour nous ou est-ce qu'ils vont être pour l'IA? Ça m'intéresse parce que est-ce qu'il y a que nous qui nous faisons arrêter par l'IA? Non, j'ai l'impression que c'est la BM qui est ch... Oh, regardez! Elle s'est garée sur le côté. Ça, c'est pas mal. Du coup, des flics, ça, c'est plutôt bien fait. On a la DS qui nous double. Ah, j'ai pris un... Oh non, c'est pas un raccourci! Ah, oh, vous êtes sérieux? En plus, il est aucun... Ok, donc il y avait même pas de mur et en plus, on se le prend, quoi. Ok, génial. Ça commence super bien. Vous êtes d'accord? À droite, c'était censé être un raccourci. Pourquoi... Qu'est-ce que je me suis pris comme décor pour me retrouver planté dans le... Dans un mur invisible, quoi, c'est... Alors là, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a pas de tour, hein, donc à force, oui. Aïe, attention. On va utiliser un peu le boost. Bling, bling. Ce bruit de boost de l'espace, quoi. Oh, j'ai tapé un truc, je sais pas ce que c'est. Là aussi, j'ai tapé un truc, je sais pas ce que c'est. Regardez, le décor s'enlève sur les côtés. Oh là là là, mais c'est dégueulasse, quoi. Le jeu en soi est moche parce qu'il est beaucoup, il est vraiment pixelisé, et encore vous allez avoir un petit peu de flou de vidéo, donc vous le verrez peut-être un petit peu moins. Mais regardez les bugs graphiques sur les côtés quoi, enfin c'est immonde. Les textures disparaissent entièrement. Hein. On a Z3 qui va nous dépasser. Je vais peut-être me bouger pour essayer de le redépasser. Ouais, nickel. Bon, il me reste... Il y a les flics! Alors, s'il se met devant nous, ouais, c'est bon, on a gagné. Parfait. Et. Alors, encore un autre bug, ça c'est magique. Voilà, halle de la course. Je sais pas si ça vous parle, mais bon, en tout cas, moi ça me parle pas. C'est même pas cadré, putain. Pardon, c'est même pas cadré quoi, regardez-moi ça. Alors. Du coup, bah toujours non, on va pas charger, ça sert à rien. On va faire donc... bah ok. On va voir quand même les résultats, voir ce qu'ils nous disent. Alors total, donc c'est les temps totaux, donc pour l'instant on est deuxième, puisqu'on a 6.36 le deuxième, le premier à 6.35. Bon à Paris on était à la rue, c'est-à-dire on n'a pas eu tout le temps. Là on a gagné 4 secondes, là on a gagné 4 secondes, il reste Marseille et Côte d'Azur. On va aller dans le garage quand même, voir ce qu'on peut faire. Alors, on va pouvoir améliorer quelques trucs quand même, ça va être intéressant. On va regarder la tenue, on va améliorer la tenue de route. Parce que là, nickel. On peut améliorer la vitesse maximale. Allez, c'est parti. Et je crois même que je pourrais réparer la voiture. Du coup, on se fait plaisir, on prend la totale. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, ok. Attendez, 36%. Y'a un truc que je comprends pas. Ah oui, parce que je fais non à chaque fois, oui. Mais... Ça serait pas de marcher. Donc non. Voilà, là on est bon. Et donc c'est parti pour la piste de Marseille. Avec la cathédrale de la Mayor, le Vieux-Port, l'église Saint-Féréol et Saint-Vincent-de-Paul. Ok. Là, on est au vieux port. Ok, là on reconnaît. Enfin, on reconnaît. Voilà, on pourrait dire on est au vieux port. Donc, normalement, on devrait avoir une tenue de route un peu meilleure.
Ouais, ça existe toujours autant, mais on va dire que c'est peut-être un peu mieux. On va simuler le fait que c'est mieux, surtout. Alors, je sais pas si vous êtes Marseillais ou si vous êtes déjà allé à Marseille. Mais il faudra me dire si vous reconnaissez... Si vous reconnaissez la ville. Moi, je saurais pas vous dire... Alors là, voilà, la complicité, elle vient du fait que, voilà, il y a pas mal de voitures autour de nous. Et allez, ça descend à la San Francisco. Bon, le turbo, on l'utilisera qu'à la fin, hein, histoire de s'éloigner de l'IA. Et voilà, maintenant, on va se faire chasser par les flics. Alors, se faire chasser par les flics dans Marseille, c'est pas évident. Ah oui, alors tout à fait, bien sûr. Alors la route normale, hein, on va la refaire, c'est un escalier, oui bien sûr, ok. Le mec pour aller à son boulot tous les matins, il emprunte un escalier, ok. Bon bah, pourquoi pas, hein. Bon apparemment on a semé la police, ça c'est bien. Il y a toujours l'IA derrière nous. Oh là là là, c'est un scandale. Ah bah oui, bah là je passerai jamais. Ah si, c'est bon. Ok, donc là il y avait un tour sur deux à faire. On a fait le premier. Enfin, on a bientôt fait le premier, voilà. On va se garder un peu de marge. Il y en a la police qui revient vers nous, qui va essayer de nous dépasser. Et c'est loupé, désolé. Attends, on dirait vraiment le jeu taxi, quoi. Parce que là, les policiers, ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Alors je vais essayer d'écouter la musique, même si c'est pas évident. Ouais, je confirme. Qu'est-ce qu'il fait, là, il est combien de clignotants, hein, quand on tourne, hein. Bon, après, comme je disais, voilà, les décors changent. Il y a pas mal de détails, on va dire. Ça rampe pas. Oh mon dieu. Oh, oh le choc, ah là là, c'est un choc rude, là, pour le pilote numéro 1. Et les niveaux des dégâts, on est pas mal aussi, hein, donc il va falloir faire attention. Pas trop en prendre à nouveau. Bon, ils sont assez permissifs sur les dégâts sur les objets. Autant ils le sont pas sur les véhicules entre eux. Autant... Mais c'est pas possible. Ouais, alors le coup de l'escalier, je ne comprends pas. Oh, putain! Oh là là là, mais c'est un scandale! J'ai pris tous les dégâts qu'il fallait. Je vous dis, on va utiliser le boost à fond après, hein, parce que... Ça c'est quoi? C'est des flics. Et allez! Loupé! Désolé. Alors, on va regarder du coup si on a l'IA qui est pas loin. On va utiliser... le boost maintenant, voilà. Et on devrait gagner la course normalement, si je ne loupe pas. Ouais, parfait. Et en plus, on s'est fait rentrer dedans par l'IA, c'est magnifique. Alors, nouveau budget, 9280. C'est pas beaucoup, hein. On pourra pas forcément acheter de nouveaux véhicules avec ça. Mais il nous reste normalement une course à faire. Ce qui fait qu'au niveau du temps total, regarde, on est à 10 minutes 34. On a à peu près 7 secondes d'avance sur le Player 3. Et tout l'argent qu'on a gagné, ben, on va le passer à enlever les dégâts. C'est génial. Nous fait. Ah ok. Bon, au moins on a amélioré la voiture jusqu'au bout, donc on n'a plus rien à acheter. Et donc on va faire la Côte d'Azur, qui est le dernier circuit, je pense, du jeu. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il y en ait d'autres. On va voir, hein. Peut-être on va être surpris. Mais pour ça, il va falloir qu'on gagne la course. C'est marrant, c'est la même chose encore. C'était le même, même écran de chargement. Regardez les textures en bas qui s'enlèvent aussi. Ça, c'est typique de la Play 1. Hein. Les textures qui comme si c'était comme si les textures étaient mouvantes en fait. Non mais à quel moment je touche là? Bon, musique plutôt sympa, hein, on va dire. C'est pas forcément dans le thème, j'ai envie de dire. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas forcément dans le thème dans le sens où
Bah, on s'entendrait une musique un peu plus épique. Là, ça fait un petit peu jazzy, vacances. Bon, il y a du clipping, mais bon, ça c'est rien d'extraordinaire. Enfin, je paye bien. Vous voyez, il y a des phases où c'est ultra fluide et des fois ça retombe un petit peu, mais. Ouais, regardez les textures, oh là là, bon sang, mais c'est pas possible. Bon, je vous avoue, je ne reconnais pas la zone, hein. On sent que c'est un peu plus dans la campagne, ça c'est sûr, même dans les montagnes. Mais à part ça. J'ai l'impression que le vidéo va être courte parce que si on est déjà quasiment là. Je peux aller tout droit? Eh ben bien sûr que non! Tu croyais quoi? Oh mais pourquoi il a tourné sur moi? C'est pas vrai! Ah mais c'est une blague. Bon, l'IA est quand même pas très rapide, hein, on s'en rend compte quand même là. Et en plus, je terminais de 3ème, juste à cause de ça, quoi. Mais c'est pas possible. Alors du coup, je finis combien? Je sens qu'on perd. Je sens qu'on perd pour les pour 3-4 secondes. Eh ben si, on a gagné. Oh, on a gagné. On a gagné, mais pour 2 centièmes de seconde. Ah ça c'était juste hein. Heureusement que j'ai utilisé mon petit boost à la fin un tout petit peu, sinon on n'aurait pas pu gagner. Alors du coup qu'est-ce qui se passe quand on gagne le jeu? Vous avez gagné. Ouais. Ah c'est cool hein, je suis. Ouais ok, bon, et après. Ouais, bon en même temps, ouais, bon, je m'y attendais un peu en fait, mais bon. Donc là, mes dommages sont restés. Ce qui fait que je ne peux toujours pas acheter de voiture, hein, d'ailleurs. Donc je suis obligé de recommencer pour essayer d'améliorer et d'acheter cette voiture. Mais j'ai envie de dire, quel intérêt? Quel intérêt? Parce que là, concrètement, j'ai fini le jeu. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe. Si je fais triangle, il se passe rien. Si je vais en arrière, j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autre menu. Donc j'ai l'impression que ça reprend un peu. Alors il me semble qu'il y a peut-être eu, alors je confonds avec un autre jeu, peut-être une version arcade. Ce qui fait que le jeu, bah en fait, il était fait pour être fini en une fois. Enfin, quand je dis une fois, c'est débile, parce que tous les jeux se finissent en une fois. Mais bon, en gros, vous passez d'un point A à un point B avec des checkpoints, etc. Et la version arcade, en fait, quand vous loupez le checkpoint, bah, vous remettez une pièce et vous recommencez le jeu. Là, je sais pas. C'est très court quand même hein, pour un jeu. Je sais pas comment ils l'ont vendu à l'époque, mais en tout cas, putain, c'est pas génial. En plus, je peux rien réparer. On va voir un truc. J'ai 3530 crédits. Il me faut 5610 pour réparer la voiture. J'ai 51% de dégâts. Si je paye pour la réparation, combien de pourcentage de dégâts va-t-il me rester? 19. Ok, donc le jeu prend en compte quand même ça. Ok. Mais écoutez, que dire de plus? Rien? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Le jeu est déjà fini. On va voir si peut-être les autres voitures se sont améliorées, je sais pas. On va la refaire une fois, enfin pas entièrement, on va juste faire cette course là pour voir. Ah par contre la tour Eiffel, non mais je dis non quoi, regardez-moi ça. Regardez-moi cette horreur. Et en plus regardez, elle va disparaître. Attention, attention. Oh là, elle a plus tour Eiffel. C'est magique. Et là elle a disparu, hein. Il n'y a plus non plus. Bon. Bon bah du coup vous aurez compris, ce jeu, bon, franchement, je sais pas, je peux pas dire que c'est une bouse infâme parce que, bah concrètement le maniement il est correct, regardez, je tourne là, je tourne à gauche, je tourne à droite, là il va se mettre devant moi, ça va pas marcher, voilà, bisous. Mais y a rien quoi, enfin y a pas de contenu, y a pas mal de défauts graphiques. Je traverse les arbres, ok, donc en plus on traverse les arbres, oh, ok, déjà ça commence bien. Ok, donc encore un bug, voilà, donc les collisions, bon on va dire c'est 100% quasiment les défauts du jeu avec les graphismes. Mais le reste, bon, on va dire que ça aurait pu être un jeu fun quoi, mais non, je suis désolé, ça l'est pas. Alors c'est dommage qu'on ait pas pu tester une autre voiture,
contre un mur, c'est magnifique. Et je me fais encore rentrer dedans derrière. À la limite, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on va pas. On va rien acheter, rien réparer. Et on va essayer d'acheter une autre voiture. Je suis à combien? 7500 crédits, j'ai 48 dégâts. On va faire départ. Et on va voir si on peut acheter une voiture, mais je pense pas qu'on puisse. Hein. Enfin, on puisse. En tout cas, dans cette vidéo. Bon, on est qu'à 25 minutes de course, donc je me dis, on peut tenter. Par contre, faut que je fasse attention, parce que si je détruis la voiture, je pense que la course est terminée complètement. Je pense qu'elle est là, hein. Ouais. Ouais, ça glisse, mais le dérapage est plutôt contrôlable, justement. Non, il n'y a pas. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit mauvais à ce niveau-là. Après, on sent qu'on est sur un axe, hein, la voiture, c'est pas très réaliste. Mais bon. Et voilà, il fallait que je me la prenne. Ça, c'était the evidence. Je peux changer de côté si je veux. Par contre, voilà, je sais pas, il y a des fois, on a l'impression qu'on peut couper, prendre un raccourci et tout. Bah non, 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 c'est... Il y a un mur invisible. Je n'ai rien à dire de plus sur le jeu, je suis désolé. On va juste voir si on peut gagner un peu d'argent pour acheter une voiture, mais à part ça, voir si le maniement est différent, je sais pas, par exemple. Ouais, le turbo me permet d'aller un tout petit peu plus vite, mais ça s'arrête là. Donc là, voilà, on est sorti de la première, du premier embranchement. Lyon, Bonne, ouais, c'est ça. Ouais, on dirait un petit peu... comment ça s'appelle Euro Truck Simulator, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des vrais tracés. Bon, là, je sais pas si c'est des vrais tracés, hein, évidemment, mais... soi-disant des vrais tracés. Qui raccourcissent de manière... enfin, à l'échelle, ils raccourcissent complètement, sinon ça mettrait des heures. Mais en gros, vous allez avoir quasiment les mêmes routes à peu de choses près, sauf qu'elles sont au format beaucoup plus court. Par exemple, le moindre kilomètre que je vais faire là, c'est comme si j'en faisais peut-être 10 d'un coup. Regardez, vous avez vu la fin du circuit? La fin du circuit. Allez, si vous regardez le tracé, normalement on était censé faire plusieurs virages après encore. Eh ben non. La fin de la course a été décidée ici. C'est un peu bizarre. Bon, l'avantage c'est que là on n'a quasiment pas détruit la voiture. Donc on va pouvoir peut-être avoir plus d'argent. On va faire non. Alors je tenterais bien de tenter la... Je tenterais bien de tenter, ouais, c'est un peu redondant. C'était combien déjà les prochaines voitures? Concessionnaire... Ah, c'est 34 000 quand même. 14 000 la DS. Ouais, bon, elle est un peu plus rapide, je pense, mais... Je tenterais bien la Beetle à la place. Ouais, 19 000, je pense que c'est faisable. On est à 15 000. Ah, mais je peux déjà la vendre. Ça ferait combien? 19 400. Est-ce que je peux la vendre? Concessionnaire. Attendez. Ouais, donc je vends celle-là, ça me fait 19 000. Ah bah, par contre, pas la Jaguar, hein, évidemment. Non. Voilà. Yeah! On a changé de voiture. Du coup, on va pouvoir partir sur celle-là. En plus, elle est neuve. Donc on n'aura pas perdu les... L'avantage en fait de racheter une voiture là, c'est que en plus de revendre l'autre, on va pas se prendre les dégâts à réparer. Donc c'est parti. Allez, c'est parti avec la Beetle, on va voir si c'est... Oh, pas le même bruit déjà. Elle fait le bruit d'une coccinelle des années 30, hein. Mais pas le bruit d'une Beetle actuelle.
on pourra pour lui mettre des améliorations après, ça va être sympa. Alors j'imagine qu'évidemment plus la voiture sera rapide, plus on risque de se planter, parce que là c'est logique. Mais que fait la police? Lâchez-vous sur le bas-côté, monsieur. Ofa, il veut pas s'arrêter. Comment on fait? Il essaie de prendre la voiture rouge à la place. Oh là, il va se mettre en face de moi. Et alors, on a réussi à les esquiver, ils ont pas assisté. On l'y a l'air un peu plus rapide, j'ai l'impression, avec cette voiture. Enfin, contre ma voiture. C'est bon, ça peut faire arrêter. Oh là là là. Ah mais j'ai pas de turbo, c'est vrai, je l'ai pas acheté. Bah, du coup, c'est un petit peu dommage. Ouais, ça passe. Par contre, la voiture est pour l'instant est aussi lente que ma Mini. Je sais pas ce que je percute là depuis tout à l'heure. Je suis déjà passé sur ce bout de... sur cet objet, nous dirons. Alors c'est faux, hein, le pont du Gard, vous pourrez jamais le prendre comme ça. Je précise, hein, il n'y a pas de route juste à côté du pont. Hein, c'est à pied et puis c'est tout. C'est même, il donne un coup de boost, regardez. Voiture est au ralenti. Regardez, je prends encore un coup de boost. Ah, j'ai pas de ma voiture. Il vient de détruire la voiture, cet enfoiré. Et puis regardez, je vois plus rien. Non, mais je vais abandonner là, c'est obligé. Et j'ai gagné la course quand même. Oh, par contre, il a failli me démolir la voiture à la fin. Est-ce qu'on peut la réparer? Ou au moins l'améliorer? On va voir le niveau de dégâts. 96%, quoi. Et regardez, pour la réparer, combien il faut? Il faut 18 000. Autant dire que j'ai même pas d'argent. Alors en plus, c'est une ruine, cette voiture. Donc j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Elle va faire oui. Ouais, je suis à 54%. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bah écoutez, donc un jeu très mauvais, hein, vous l'aurez compris. Après, pas aussi mauvais qu'on peut le dire. Mais voilà quoi, enfin un jeu qui se finit en 10 minutes, j'appelle pas ça un jeu quoi. C'est limite un mode démo quoi. Je vois pas en gros ce qu'il faudrait acheter ce jeu à l'époque quoi, à part le fait de se dire ouais Paris-Marseille, c'est une jeu fardissé, on peut voir un peu les éléments dans le décor qu'on a en France, magnifique. Mais hormis ça, non il y a rien d'extraordinaire, hein, franchement. Voilà. Bon monument correct, graphisme à chier avec pas mal de bugs en plus, et collision. Incroyablement nul. Après le reste, voilà, limite moyenne. Si je vais donner une note sur ce jeu, je mettrais 7 ou 8 quoi. 7 ou 8. Enfin bon. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.